Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, on va évoquer le Mali où, dans le cadre du désarmement, 1500 combattants ont déposé les armes en 2 semaines. Quelques 1500 combattants ont donc déposé les armes plus de 2 semaines après le lancement du processus désarmement, démobilisation et réinsertion au Mali. C'est ce qu'a confirmé la Commission nationale en charge du programme DDR et de groupes armés. Environ 1500 combattants ont volontairement déposé les armes à Tombouctou, Gao et Kidal. C'est vérifiable sur le terrain. Nous nous attelons à lever d'éventuels écueils, a déclaré le président de la Commission nationale chargée du programme DDR, Zahabi Ould Sibi Mohamed. On va évoquer le sujet avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. 1500 combattants qui déposent les armes en 2 semaines. Est-ce qu'on peut dire que le DDR est sûr de bons rails? On va dire de toute façon, c'est une bonne nouvelle pour le Mali, qui a soufflé le martyr au minimum ces 5 dernières années avec l'envahissement de son territoire par des mouvements terroristes et des organisations criminelles. Le processus DDR avait été lancé un temps, mais avait eu du plomb dans l'aile pour avancer. Cette fois, certains de ces obstacles qui empêchaient le processus d'avancer ont été enlevés. Aujourd'hui, en seulement 2 semaines, on parle de 1500 combattants qui déposent les armes sur le quota qui reste encore pour poursuivre ce processus-là. C'est une très bonne nouvelle et on croise les doigts pour le Mali qui mérite de recouvrer la paix si et seulement si ce processus-là est suivi de bout en bout et est mené jusqu'à son terme. Mais au début, l'enregistrement des combattants a donné au moins 34 000 combattants. 1500 semble être une goutte d'eau dans la mer. Oui, en seulement 2 semaines, vous savez, ce n'est pas toujours facile pour des jeunes qui n'ont découvert toute leur vie que le seul métier des armes, malgré eux certaines fois. Et du jour au lendemain, avec une mentalité au départ, du jour au lendemain, on leur demande de venir déposer les armes. Et après, c'est des questionnements qui suivent, de quoi le futur sera fait, que va-t-on devenir sans les armes. Mais 1500 en l'espace de 2 semaines, ça fait au bas mot 750 chaque semaine. Je crois que c'est pas négligeable. C'est quelque chose sur les 34 000. Et il n'y a pas que c'est pas tous les 34 000 qui suivront le processus DDR. Il y aura un quota qui sera intégré dans l'armée. Et donc, je pense que c'est déjà bon si les sensibilisations se poursuivent et que les propositions faites, notamment par rapport à la réinsertion sociale de ces anciens combattants, si les propositions sont suivies et sont réellement honorées par ceux qui tiennent, ceux qui sont à la commande de ce processus-là, je pense que de jour en jour et les semaines à venir, ce nombre-là sera peut-être important pour des jeunes qui avaient peut-être envie de libérer leur territoire ou d'avoir une autonomie. Et aujourd'hui, s'ils ont les moyens de vivre et de mener leur vie, je pense que le processus pourra réussir parce qu'on a vu dans d'autres pays, même après un mois, c'est seulement quelques combattants qui ont déposé les armes. Mais là, on parle de 1500 quand même sur un quota. Pas tous les 34 000, mais un grand nombre de qui déposent les armes déjà. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est tous les groupes armés, les pro-gouvernements, les groupes pro-gouvernementaux et également les groupes qualifiés de terroristes. Entre-temps, les ex-rébellions également, dont les membres commencent par déposer les armes. La sensibilisation sur le terrain aidera à avancer réellement dans ce processus. Alors, est-ce que déjà le DDR malien est un processus sincère dans la mesure où on sait que dans la plupart des DDR, vous avez des combattants qui ont 5-6 armes, qui viennent en déposer 2 ou 3. A-t-on pris le temps de faire l'inventaire des armes que possèdent ces combattants et on est sûr que ce sont ces armes qu'ils sont en train d'apporter? De toute façon, l'inquiétude est normale, mais c'est mieux de retirer quelques armes que de ne rien avoir. Le problème avec le Mali, et notamment du centre jusqu'au nord, c'était qu'à un moment donné,
ces territoires étaient inaccessibles aux autorités. Normalement, dans des processus du genre, il faut faire un inventaire, faire peut-être, ne serait-ce qu'une prospection sur le terrain, ou quand même des due diligence pour savoir comment est-ce que les mentalités se présentent. Mais il se trouve qu'au Mali actuellement, il est quasi difficile pour les autorités d'étendre leur pouvoir jusqu'au nord du pays. Et là, c'est difficile donc de mener ces missions-là dont nous évoquons l'importance. Et là, si c'est difficile, il faut procéder autrement. Et procéder autrement avec l'appui des partenaires, c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Ça permet aux autorités de tâter le pôle du terrain. Et ceux qui acceptent volontairement viennent déposer les armes. Et peut-être que d'autres qui disposent encore des armes, qui voient leurs camarades aller déposer les armes, cela peut les inciter, cela peut les sensibiliser à venir déposer les armes qu'ils auraient. Et je pense que c'est mieux. Ce processus, on peut faire une première phase pour voir les résultats, l'évaluer et relancer une seconde phase pour dire que ceux qui détiendraient encore les armes, ils ont toute l'assurance de l'État qu'ils peuvent venir déposer les armes sans être inquiétés. Je pense que c'est mieux de commencer quelque part et de récupérer une bonne partie des armes que de ne rien récupérer. Alors justement, ceux qui viennent déposer les armes, quelles sont les garanties qui leur ont été données? La garantie, c'est que pour certains, ils seront intégrés dans l'armée régulière, mais pour d'autres, c'est qu'ils seront, accompagnés à suivre des formations pour devenir des patrons eux-mêmes, pour se prendre en charge, pour se donner dans l'auto-entrepreneuriat. Mais une bonne partie également devrait être recrutée par les autorités maliennes pour, on va dire, une inclusion sociale et promouvoir également le développement du Nord Mali, de Gao, de Tombouctou, en allant vers le Nord. Et je pense que ces garanties, suivies également des désintéressements pécuniers, ça permet aujourd'hui de rassurer ces jeunes-là qui n'ont presque peut-être rien chez eux. Ça leur permet d'avoir un peu de l'autonomie, de suivre des formations pour prendre leur destin en main et peut-être d'aider au développement de leur milieu communautaire, de leur localité. Et je pense qu'ils ne peuvent jamais tout avoir dans ce processus, mais déjà l'essentiel qu'on leur propose, c'est ce qui est nécessaire. S'ils savent, s'ils se donnent, comme ils ont le courage de prendre les armes et de prendre des risques sur le terrain certaines fois, s'ils transforment cette énergie qu'ils ont positivement dans d'autres activités, ils réussiront leur vie. Même s'ils n'arrivent pas à intégrer l'armée pour la plupart, ils réussiront quand même à construire leur pays en étant des jeunes responsables, autonomes, qui aident quand même l'État au développement dans le Nord. On en a parlé tout à l'heure, depuis plus de 5 ans, il est difficile pour les autorités de contrôler tout ce qui se passe dans le Nord du pays. Là, maintenant, les autorités pourront s'appuyer sur ces jeunes, déjà que les élections locales également ont eu lieu au Mali et qu'il faut installer les leaders communautaires et les maires et les autres. Il y aura certainement du travail et ces jeunes pourront servir dans leur communauté. Pourquoi pas comme peut-être des gardes, on en a trouvé ailleurs. Ils peuvent. Et je pense que les garanties, c'est vrai, c'est jamais satisfaisant, mais c'est quand même un début. Et puisque le processus est appuyé par les partenaires, ils peuvent saisir la main tendue de l'État et sortir aujourd'hui de ce problème et de ce carcan des armes qui ne garantit toujours pas un lendemain meilleur. Et qui finance ces opérations? C'est le gouvernement malien ou les partenaires? Le gouvernement malien et ses partenaires, l'ONU notamment, et les partenaires européens, la France et d'autres encore. L'Union européenne qui appuie ce processus. C'est vrai, on ne vous donnera jamais le montant. Mais le Mali, en tant qu'État, n'a pas tous les moyens possibles pour assurer ce processus. Et il se fait aider par les partenaires. Et nous ne pouvons que remercier ces partenaires-là. C'est vrai que la France avait pris ses responsabilités en combattant le mouvement terroriste dans le Nord, mais ça n'a pas véritablement eu le résultat qu'on attendait. Aujourd'hui, le processus DDR qui est soutenu par les partenaires pourra peut-être permettre de déminer le Nord du Mali un tant soit peu.
Et je pense que les partenaires et d'autres qui hésitent encore peuvent appuyer le Mali parce que quand on parle de la paix, chaque prix est nécessaire à payer. Et je pense que les partenaires ne perdent rien en suivant ce processus. D'ailleurs, ils y croient. Ils saluent déjà les premiers résultats qui tombent. 1500 combattants qui déposent les armes en seulement 2 semaines. C'est un résultat qui encourage les partenaires. Et je pense qu'ils seront dans ce processus jusqu'à la fin. Le Mali est véritablement maintenant sur la voie de la paix? Plus ou moins, oui. Plus ou moins, parce que vous savez, certaines fois, c'est lorsque on est dans un processus, c'est le manque de respect des accords et des engagements qui met en difficulté les processus du genre. Mais tant que les autorités maliennes vont continuer à respecter leur engagement, notamment par rapport à l'accord de paix signé en 2015, dont la mise en exécution a connu quelques difficultés, si cet accord est respecté de bout en bout et à la lettre, pour que et n'est pas violé en plein processus, je pense que le Mali progressivement retrouvera la paix, même si la paix ne sera pas totale comme au départ, elle retrouvera quand même une paix optimale qui permettra aux citoyens de ne plus vivre la peur dans le ventre. Est-ce que ça va faire taire les revendications des Nord-Maliens, notamment les Azawadiens? Aujourd'hui, c'est acquis, je crois. Ça fait partie de l'accord qui a été signé, l'accord intermalien qui a été signé en 2015. Aujourd'hui, la revendication de l'indépendance ou de l'autonomisation de l'Azawad, puisque c'est le territoire en question, de l'Azawad, n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est l'ex-rébellion est partie de l'accord intermalien et collabore avec les autorités maliennes. Je pense que ce n'est plus à l'ordre du jour. Et donc, aujourd'hui, tout ce que les autorités, enfin, les responsables de l'ex-rébellion de l'Azawad pourront faire, c'est de chercher à se positionner sur les postes de décision, les postes décisionnels, notamment lors des élections locales, législatives et même présidentielles, pourquoi pas. Certains sont même dans le gouvernement. Ça leur permettrait peut-être de décentraliser progressivement l'administration vers le nord pour que le nord du Mali ne se sente pas délaissé complètement par le pouvoir central. Aujourd'hui, les autorités locales ont une autonomie de gestion. Cela permettrait également de développer ces milieux-là, ces villes et ces communes. Je pense que, comme c'est acquis, les revendications, peut-être que d'autres jeunes ou d'autres personnes pourront les porter plus tard, mais à mon sens, ce n'est plus à l'ordre du jour et il va falloir que les autorités maliennes travaillent dans ce sens pour que ces mouvements sécessionnistes ne se créent plus, parce que ça met en difficulté le pays et ça met en difficulté également le développement. Ça n'arrange pas non plus même les sécessionnistes et les autorités centrales. Didier Assomba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Samuel. On observe maintenant un moment de pause et après, c'est l'invité de ce soir.